Bonjour tout le monde, ça va bien? Je suis dans mon atelier, puis ça fait un petit moment que je vais vous préparer une vidéo sur la finition d'un meuble à base de cire ou de vernis. On va commencer avec la cire. J'avais fait ce banc-là pour Club Tissu et il manque le coussin, évidemment, je l'ai enlevé. C'est un fou fini que j'ai fait. Si jamais vous cherchez la vidéo, vous pouvez aller directement sur mon blog dans la section ce banc-là. Et vous allez avoir à même l'article à cliquer sur la vidéo et vous allez voir les étapes de réalisation de ce fameux faux fini qui est super. C'est un peu long de vidéo, mais j'aimais mieux en mettre plus que pas assez. Comme ça, vous allez être certain d'être capable de le faire vous autres aussi. Donc aujourd'hui, on parle de finition de meubles. On sait que souvent, c'est des questions que j'ai régulièrement. Natacha, est-ce que je devrais mettre une cire? Est-ce que je peux mettre un vernis avant? Est-ce que je peux mettre ma cire avant le vernis? Je peux-tu mettre du vernis par-dessus ma cire? Oh là là! Des questions, j'en ai souvent. Et là, aujourd'hui, on va essayer d'éclairer ça, là, vraiment, pour que ça soit vraiment facile à comprendre. Et que vous sachiez à l'avenir comment le faire dans n'importe quel type de meuble que vous allez réaliser, qui est évidemment peint à base de craie, OK? Que vous utilisez, que ça soit de l'anis longue, que ça soit la cottage, la jolie peinte, n'importe quelle peinture, dont moi j'ai utilisé la Color Antique, qui est une peinture à base de craie fait ici au Québec, on est très fiers, et qui est pas mal partout, si on retrouve dans tous les magasins, donc le tissu, et c'est avec celle-là que j'ai fait le meuble au complet. Donc, on passe à l'action, je vous explique comment faire et puis quel outil on a besoin aussi pour réaliser tout ça. OK, donc la première chose qu'on doit savoir quand on veut utiliser de la cire. Plusieurs me demandent quelle sorte de cire que je dois utiliser. Parce que oui, il y en a plusieurs en magasin. Moi, c'est sûr, ici, aujourd'hui, on va parler des cires de Color Antique. OK? Souvent, chacune des compagnies, ils ont une cire naturelle. OK? C'est normalement ce qu'on voit le plus souvent. Il y a aussi, dans les compagnies, des cires de couleur. Ici, on n'utilisera pas les cires de couleur, mais quand même, c'est pour vous donner une petite idée, parce que vu qu'on parle de cire, c'est quand même important que je vous parle un peu de chacune des cires. Donc, les cires naturelles, c'est des cires qui sont, là on dirait qu'elle est blanche, je vous approche un peu pour que vous puissiez voir, mais elle est vraiment naturelle. Donc ça, c'est fait à base de cire d'abeille et c'est naturel. En plus, qu'est-ce qui est fabuleux de ça, c'est que c'est une cire qui, étant donné qu'elle est naturelle, elle n'est pas en contre-indication pour les enfants. Donc si vous faites une bassinette, un berceau, vous allez pouvoir cirer avec la cire naturelle votre peinture à base de craie de Color Antique sans problème et ça ne sera pas nocif ou quoi que ce soit pour les enfants. Fait que ça, c'est une bonne affaire à savoir, mais seulement avec la cire naturelle. Donc, c'est ce que vous devez utiliser. Ensuite, les cires de couleur. Color Antique ont 4 cires de couleur, dont des cires... je vous montre ça tout de suite. Il y a différents formats aussi, des plus petits jusqu'au plus grand. Ça, c'est le moyen. Vous avez la cire blanche, qui ressemble un peu à la naturelle, mais elle est vraiment blanche. Elle est très, très crémeuse. Ça, c'est le genre de cire que vous allez vraiment aimer. Ensuite, on a la noire, qui est très, très intense, OK? Elle est vraiment noire. Et elle est vraiment très crémeuse aussi. Ensuite, on a la grise, qui est vraiment un beau gris ancien, qui va vous permettre de faire des petites belles créations que j'adore aussi. Mais en fait, je les aime toutes. Je les aime toutes. Et évidemment, la brune, qui est celle qu'on a le plus utilisée, si on veut, anciennement, quand on fait des meubles anciens et tout ça. Ce qui est le fun maintenant, à cette heure, avec les cires de couleur, c'est que ça vous permet de réaliser encore plus de créations. L'autre chose qui est possible de faire, vous dites, mais moi, c'est bien beau, noir, blanc, gris, brun. J'aurais aimé avoir une cire rouge ou une cire brune, plus pâle ou bon. Tous les cires qui sont ici, si vous les trouvez trop foncées, vous pouvez les mélanger à la cire naturelle. Donc, vous prenez un petit plat et vous allez mettre de côté un peu votre cire naturelle et diluer, si on veut, votre cire qui est de couleur avec celle naturelle pour
enlever un peu l'intensité de la couleur. Fait que ça, c'est une chose qui est importante que vous pouvez savoir. Si ça vous arrive au début de faire un peu votre cire noire, vous dites « c'est foncé » ou « ma cire brune, je préférerais peut-être avoir une cire plus pâle. » Fait que vous pouvez commencer comme ça si vous êtes inquiet. Vous dites « ok, mais moi je préfère y aller mollo, puis je vais commencer doucement avec une petite cire pas trop soutenue en couleur. » C'est une façon de faire, ok? L'autre chose, vous voulez faire une cire de couleur. Là, vous pouvez prendre votre cire naturelle et la mélanger à votre peinture à base de craie, ok? C'est sûr que la pigmentation ne sera pas aussi riche que les couleurs qui sont là, mais ça peut être une option pour vous autres si vous cherchez une couleur à faire. Souvent, si par exemple, je donne un exemple, là, vous voulez aller dans des bleus plus soutenus, vous pourriez prendre la cire grise, mettre un peu de cire naturelle et rajouter un peu de bleu plus pigmenté dans votre peinture à base de crème, mélanger ça tout et ensemble, et là, vous auriez un bleu grisâtre un peu plus foncé. Fait que ça peut être des options de mélanger les cires de couleur avec, comme par exemple, la cire blanche, avec, par exemple, une cire de couleur pour avoir une teinte de rosé pâle ou des choses comme ça. Fait que ça, c'est des idées. Ça se mélange tout ensemble. C'est ça qui est fabuleux, OK? Quand vous mélangez la peinture à base de craie avec la cire naturelle, mélangez-la bien comme il faut. Elle va être crémeuse. Mettez ça dans un pot hermétique de façon à, si vous en avez trop, vous pouvez toujours la garder. Elle va rester belle plus longtemps, OK? Fait que ça, c'est une solution pour vous autres. Bon, moi, j'ai besoin de ma naturelle. Fait que la cire naturelle, c'est celle-ci. Elle a de l'air blanche, mais elle est vraiment naturelle. L'autre chose, c'est que ça jaunit pas, OK? Ça garde les meubles en bon état. Mais par contre, il faut savoir que quand on cire un meuble, sachez que le nettoyage ne se fera pas exactement comme si vous avez vernissé un meuble. Si vous vernissez, je veux dire, vous devez le nettoyer de la façon que vous voulez. En fait, dès que c'est verni, c'est assez durable. Tandis qu'avec la cire, ce qui arrive, c'est que plus vous allez nettoyer un meuble, si vous utilisez des produits nettoyants, la cire va s'enlever avec le temps. Donc, je suggère fortement... ça peut être une possibilité. Vous pouvez vernir votre meuble avec un vernis mat, celui de colorantier, qui est le top coat, en fait. Là. Et après que vous avez laissé sécher votre vernis comme il faut, vous pourriez mettre une cire par-dessus de protection, qui est votre cire claire. OK? Fait que vous auriez deux dans un. Ça pourrait protéger votre meuble, mais vous auriez aussi l'effet antique de la cire, OK? Parce qu'elle serait, de toute façon, la cire de finition après votre vernis. Mais faites jamais l'inverse. Vous ne pouvez pas cirer un meuble et mettre un vernis par-dessus. C'est un corps gras. Puis là, vous arrivez, vous mettez un vernis, ça ne fonctionne pas. Je me fais poser cette question-là des tonnes de fois, OK? Ça ne marche pas, OK? C'est vraiment un gros X là-dessus. Vous ne pouvez pas mettre de la cire puis du vernis par-dessus, OK? C'est ou la cire toute seule, qui est la cire claire, ou un vernis avec la cire par-dessus, OK? Après que le vernis soit vraiment sèche pendant une bonne durée, qui veut dire peut-être 12 à 24 heures, OK? Après, il n'y a pas de problème. Donc, j'espère que c'est clair. Je pense que oui, j'ai été popée dans mon affaire. L'autre chose, je vais vous parler d'outils. On va tout revenir à tout ça. Là, comment on fait, Natacha? Quelle sorte de pinceau que ça me prend pour vernir une surface? Pas vernir, mais cirer une surface. On parle de vernis tantôt. Donc, il y a plusieurs pinceaux qui existent. Juste pour faire un petit peu un clean-up, un ménage dans les sortes de pinceaux, parce que oui, il y en a beaucoup sur le marché, c'est pas toujours évident. Ça, c'est un pinceau ovale. Ces pinceaux-là servent à peindre des surfaces de meubles, OK? On en a des gros, puis on en a des plus petits, comme ceux-là, OK? Donc, ça, c'est pour peindre une surface, OK? Il faut finir, dès que vous peignez, il n'y a pas de problème. On ne vernit pas avec ça et on ne cire pas avec ça, OK? Quand arrive le temps de cirer, on cire avec des pinceaux qu'on appelle ronds, qui sont des pinceaux comme ça. Il y a différents types, j'en ai différents types. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est celui-là. Ben, en fait, je les aime toutes. J'aime beaucoup le nouveau qui est fait plus long.
Mais moi, celui que je préfère, c'est vraiment celui-là. C'est le gros. Moi, je trouve que, surtout quand on fait des gros meubles, je trouve qu'il va bien. Le fait qu'il s'imbibe bien la cire, ça vous permet de vraiment tourner en rond, de vraiment aller partout sur la surface. Et ça fait vraiment une belle job. Par contre, il faut savoir que quand on faut avoir de l'entretien, il faut entretenir ces pinceaux-là parce que c'est quand même pas donné. OK? L'autre chose qu'il faut savoir, c'est qu'on ne mélange, si vous voyez bien ce pinceau-là, il est beau, il est propre, il n'y a pas de cire de couleur dans celui-là. Pourquoi? Parce qu'on ne mélange jamais les pinceaux pour la cire claire avec les pinceaux de cire de couleur. Donc, si vous avez à utiliser de la cire noire, la cire grise, la cire brune, je vous suggère vraiment pas de l'utiliser avec le même pinceau que vous allez utiliser votre cire claire pour faire la finition. Parce que là, qu'est-ce qui va arriver? C'est que si vous vous faites un beau meuble tout blanc, puis vous arrivez et vous dites, ah, moi, je m'en vais mettre une cire grise là-dessus, puis vous avez utilisé déjà du noir, ou encore, on va aller plus facile, vous avez un meuble blanc et vous les cirez naturel, mais vous avez déjà utilisé votre pinceau avec une cire grise ou une cire noire, c'est qu'il va arriver, même si vous l'avez nettoyé comme il faut, la cire noire qui reste en dépôt un peu à l'intérieur, parce que le pinceau va rester un peu gras, va se déposer sur votre meuble blanc. Je ne pense pas que vous allez être content. Surtout quand on veut un meuble blanc, c'est parce qu'on le veut vraiment blanc. On ne le veut pas noir, puis on ne le veut pas gris. Fait que l'idée, en premier, c'est vraiment d'avoir plusieurs pinceaux. Oui, ça vient que ça coûte cher, mais si vous êtes des fans de peinture, de transformation de meubles et de peinture à base de craie, moi, ce que je vous dirais de faire, gardez-vous un gros comme ça pour le clair. Parce que il faut mettre le clair pas mal à 99% du temps, tout le temps, avant de faire nos cires de couleur. Donc lui, il va servir à faire votre clair, puis vous, vous n'en servez pas pour d'autres choses. Quand vous arrivez pour faire des cires noires, grises, brunes ou autres couleurs, vous avez des plus petits pinceaux comme ça que vous pourriez avoir et marquer dessus, comme moi j'ai marqué NC pour Natacha Créative, mais vous pourriez marquer par exemple le pinceau. J'en ai pas d'autres, là, mais vous pourriez marquer dessus pinceau pour cire noire. Ensuite, l'autre, pinceau pour cire grise. L'autre, cire brune, ainsi de suite. Donc, l'idée, ça serait toujours de garder le même pinceau pour faire la cire noire, la cire brune et tout ça. Comme ça, vous ne vous mêleriez pas et vous auriez toujours les bons pinceaux pour chacune des ouvrages que vous avez à faire. Toujours en pensant de garder notre pinceau pour la cire claire tout le temps beau. OK? De jamais le mêler. L'entretien de ça, c'est bien, bien simple. Moi, je dis toujours, bon, quand on fait un meuble, des fois, puis surtout s'il est très gros, on va faire un meuble, puis des fois, on n'a pas fini tout le même jour. Fait que moi, je vous dirais, vous pouvez le laisser dans un sac Ziploc, mais vous avez fait quelques surfaces. Vous déposez ça dans un sac hermétique, bien comme il faut. Vous pouvez le laisser quelques jours dans le sac, sans que la cire durcisse à l'intérieur. Là, je vous parle de la cire colorantique. Si vous utilisez d'autres cires, ça se peut que ça ne soit pas la même affaire. Comme par exemple, la Nislone, attendez pas pour le nettoyer parce que oui, les poils vont durcir. Enfin, c'est pas l'idéal. Mais si je vous parle, comme je dis aujourd'hui, je parle de colorantique, là, vous devez, vous pouvez, je veux dire, laisser votre pinceau sécher. Pas sécher. Là, je déparle, là. Vous pouvez, il faut pas que je dise ça trop souvent à des affaires de même, le monde va se tromper. Bon, vous devez, c'est bloopers par-dessus bloopers, mon affaire. Non, je recommence, on va rewinder. Votre pinceau clair, vous pouvez le laisser dans un sac hermétique pendant quelques jours, OK? Sans être obligé de le nettoyer. Après quelques jours, c'est quand vous avez fini votre meuble au complet. Là, vous prenez le temps de bien nettoyer votre pinceau. Un bon nettoyant, ça peut être un savon à vaisselle, là. Achetez-vous pas 50 sortes de produits pour essayer de nettoyer vos pinceaux. Ça donne absolument rien, OK? Sérieux. Vous pourriez, par contre, vous acheter un petit cercle avec des picots à l'intérieur. C'est un plastique. On trouve ça dans les magasins de loisirs créatifs. C'est pour nettoyer les pinceaux. Ça retire bien la cire. Vous pourriez faire ça. Sinon, bien nettoyer à fond dans sa main à 2-3 reprises avec un bon savon. Le savon que j'aime bien utiliser, c'est celui de Colorantique. Puis c'est pas parce que j'essaie de vous le vendre, c'est parce que je l'aime vraiment. À chaque fois que je donne mes cours de peinture, de transformation de meubles, je l'emmène avec moi et je fais essayer ça aux filles. Les filles capotent. Il y a un grain exfoliant à l'intérieur
Et il permet de vraiment bien déloger, un, la peinture, puis deux, la cire. Fait que, tu sais, ça peut être une option. Sur le site de Colorantique, vous allez voir la bouteille, elle est là, c'est un bon nettoyant, en plus, il sent bon, hein? Fait que ça, c'est encore mieux. Fait que, dans le fond, vous nettoyez comme il faut, 2-3 reprises, et vous laissez sécher ensuite, vous enlevez complètement l'eau, SARE, et vous laissez sécher votre pinceau. Oui, le pinceau reviendra jamais comme avant, parce qu'il va rester un petit peu avec un corps gras dedans. Faut s'attendre à ça, c'est de la cire, c'est normal, ça part jamais à 100%. OK? Donc, ça, c'est la façon facile d'entretenir. La même chose sur les pinceaux de couleur. Donc, ceux que vous avez utilisés pour faire la cire de couleur, vous pouvez laisser dans un sac hermétique pendant quelques jours, mais pas plus. Tu sais, 3-4 jours, c'est assez. Après, vous nettoyez comme il faut vos pinceaux. C'est sûr que le noir, le brun foncé, ça prend quelques nettoyages, peut-être 2-3, bien comme il faut. Mettez bien de la mousse dedans, du savon, bien rincé comme il faut, enlever l'excès d'eau, laissez sécher quelques jours. Et après, ben, le tour est joué. N'oubliez pas de marquer la couleur que vous avez utilisée pour être sûr de ne pas vous tromper. Fait que ça, c'est bien simple. Fait que la façon de savoir, c'est toujours les pinceaux ronds sont assez épais. Et tous ces pinceaux-là sont accessibles sur le site de Colorantique ou dans les boutiques qui tiennent les produits. OK? Donc, on va commencer avec l'application de la cire. L'autre chose que ça vous prend, c'est des linges de coton, idéalement blancs. OK? Je vais vous dire pourquoi. Et des essuie-tout bleus, comme ça qu'on trouve des shop towels qu'on appelle dans les quincailleries comme Canadian Tire ou Rona, là. J'utilise quasiment ça 80% du temps, OK? Mais je vais vous expliquer pourquoi après. Et pour les vernis, ben ça, on en a parlé quand même tantôt, mais il y a plusieurs pinceaux qui existent. Dès que vous avez un pinceau plat, c'est génial, OK? Plus il est mince, en fait, en épaisseur, mieux c'est. Plus il est épais, plus votre vernis fera de la mousse, OK? Fait que ça aussi, il faut faire attention. Plus le pinceau est de qualité, meilleur que votre vernis sera à l'application. Mais ça, on va en parler tantôt dans la prochaine vidéo. On va commencer par la cire, parce que je ne veux pas trop vous mêler. Fait que ça, c'est les pinceaux plats qu'ils ont chez Colorantique, que vous pouvez utiliser pour faire les vernis. Fait que on passe à l'action, on s'en va directement pour appliquer la cire, OK? Fait qu'on va prendre la cire naturelle. Je pense que je l'avais déjà mis ici. OK. Pourquoi je vous montre ces deux cotons-là? C'est parce que, à plusieurs reprises, quand j'ai enseigné la transformation de meubles, c'est des choses qui sont arrivées. Plusieurs arrivaient avec des bouts de t-shirt gris, noir, bleu marin. Il y a de la coloration là-dedans. Si vous faites des meubles pâles, puis vous arrivez pour cirer, puis utilisez ça pour cirer vos meubles, la couleur va se transmettre sur vos meubles, OK? Ça, c'est arrivé à 50 000 personnes que je connaisse, qu'ils ont fait cette gaffe-là. Faites pas ça. Utilisez des cotons blancs. Il n'y a pas de couleur là-dedans. Vous allez vous assurer que quand vous allez cirer votre pièce, c'est vraiment la cire qui va se dégager puis qui va se frotter bien comme il faut, polir sur la surface, et non pas la couleur du tissu, OK? Fait que ça, c'est la première chose à savoir qui est bien importante. L'autre chose, puis je le répète, je vais peut-être même le répéter un peu plus tard pendant que je vais être en train de cirer. Plus votre coton va être imbibé de cire, OK? Qui veut dire plus je vais cirer un meuble qui est immense, dès qu'il commence à être vraiment collant, vous prenez ça et vous en reprenez un nouveau. Lui, vous le mettez de côté. Pourquoi? J'ai souvent eu des questions d'Natacha. Pourquoi quand je cire, ça fait des bariolages? Là? Ça bariole sur le top de mon meuble. Ça fait toutes des marques, tu sais. Pourquoi ça fait ça? Ben c'est à cause de ça. C'est que votre linge, là, il est trop imbibé, tu sais. Fait que comment tu veux qu'il polisse la surface, puis qu'il fasse que ta surface soit parfaite? Puis elle peut pas, parce que ton linge est trop plein. Donc, quand vous voyez que ça commence à être trop gommant, vous mettez ça de côté, vous en reprenez un nouveau. Et de là, le pourquoi j'aime beaucoup, beaucoup travailler avec les linges comme ça. En plus, c'est recyclable. Fait que, on s'entend. Tandis que les cotons, on ne peut pas les laver dans la laveuse. Alors, une laveuse qui va être cirée un peu. Fait que moi, je ne suggère pas ça. Et ça, je trouve que c'est une belle option. OK? Donc, ça, c'est pas trop compliqué. Quand vous en prenez, moi, je prends toujours deux feuilles comme ça. Et je fais une section. Puis là, je vois. Tu sais, c'est commencé à être trop imbibé. Ben, je change, j'en prends un nouveau. Hein? Puis là, je suis certaine que ma cire va pénétrer dans ma peinture, elle va venir polir ma surface, mais elle ne viendra pas graisser ma surface. Ben, je n'aurai pas des marques, OK? Mais je suis certaine que pendant que je vous dis ça, vous êtes en train de dire, ah, oh,
C'était ça mon problème! C'était vraiment ça mon problème! Je savais que j'avais quelque chose que je faisais qui n'était pas correct, mais c'est à cause de ça. Fait que ça, là, c'est bien, bien, bien important, OK? Là, on commence. OK? On va prendre la cire naturelle. Moi, ici, je ne mets pas de cire de couleur. Mais si j'avais affaire à mettre de la cire de couleur, là, ça serait de mettre une cire naturelle avant partout, OK? Pourquoi je vous dis ça? Parce que vous n'êtes pas des experts, la majorité d'entre vous, vous n'êtes pas des experts en transformation de meubles. Moi, ça fait longtemps que j'en fais. Je connais les teintes, je connais les densités de mes cires, je sais comment les traiter. Et je sais que sur un meuble d'une telle couleur, si je ne mets pas de ma cire naturelle avant, ça se peut que ça fasse des marques, ça reste collé, je ne suis pas capable d'enlever les effets que ça fait. Moi, là, 99% de vous autres, je vous dis, mettez une cire naturelle sur vos meubles avant. Laissez sécher 24 heures, durcir votre cire, et après, allez faire vos finitions de cire de couleur, OK? Oui, si vous achetez des cires de couleur par-dessus, ça va prendre plus de temps à sécher. Ça peut prendre 7 à 21 jours. Fait que oui, si vous mettez des cires de couleur, mettez pas tout de suite des affaires sur vos meubles. Attendez une vingtaine de jours. Oui, ça va être un peu collant, mais je vous le dis, ça va sécher. Inquiétez-vous pas, il n'y en aura pas de problème. Le nettoyage, encore une fois, dès que vous tombez dans des cires de couleur ou des cires naturelles, il faut vous linger, vous lingiez. Ben oui, encore un bloopers. Vous devez, en fait, nettoyer avec un linge humide, sans produit qui va venir détériorer, si on veut, l'effet de la cire, OK? Fait que juste un linge humide, il n'y a pas de problème, vous allez voir, ça va faire l'affaire. Mais si vous commencez à mettre des Windex, whatever, des produits abrasifs, là, c'est sûr que la cire va s'en aller. Si ça vous arrive de faire cette gaffe, ou vous avez une femme de ménage qui l'a faite, puis là, vous dites, oh, mon meuble, il est arrivé! Bien, c'est pas grave. Faites juste rincer, nettoyer comme il faut votre meuble, là, puis resserrez votre meuble après, puis ça va revenir correct. Mais là, si vous avez des cires de couleur, ça se peut que ça soit pas évident, OK? Mais si vous avez juste une cire naturelle, ça va super bien aller, OK? Inquiétez-vous pas. Donc, comment on fait ça? C'est bien simple. On prend le fameux pinceau qui est fait pour la cire claire, parce que c'est ce que je vais faire ici. Et là, je m'en viens à mettre sur mon pinceau. Moi, mon pinceau, il n'y en avait pas partout. Fait qu'il n'est pas imbibé encore. Fait que je m'en viens, il ne faut pas trop en mettre, mais il faut quand même en mettre, OK? Fait que j'en mets même sur les côtés comme ça, parce que je vais le tourner, je veux qu'il y en ait partout. Et là, il est pas mal imbibé. Il y en a. Fait que ce que je vais faire, je vais m'en venir sur mes surfaces ici. OK? Je vais venir mettre ici sur le dessus de la cire. Fait que je m'en viens frotter comme il faut. Puis, il faut pas faire des grandes sections toutes d'un coup. Il faut y aller par petites sections à la fois. Fait que ici, c'est en masse, là, parce que c'est pas très grand, ça a peut-être un pied. Là, fait que je peux faire cette section-là au complet. Fait que je m'en viens d'en mettre partout. OK? Puis là, ça va faire mou. C'est normal, OK? Fait que je reviens souvent mettre de la cire. Parce que mon pinceau n'est pas encore trop imbibé, OK? Puis, je m'en viens partout. Faire ma section. Comme ça. Bon. Fait que là, je pense que j'en ai mis pas mal partout. Ça s'est bien tendu. Je prends mon linge de coton bleu et je m'en viens. Je commence par enlever. OK? Doucement. Je dis enlever, mais dans le fond, c'est étendre. OK? Ma cire. Je vais vous avancer un peu pour que vous puissiez bien voir ce que je suis en train de faire parce que c'est pas évident. Hey, je suis là. Bon. Donc, on vient frotter comme ça. Et là, à un moment donné, vous allez sentir que ça glisse davantage. À ce moment-là, ça veut dire que vous allez être prête à venir poler. Donc là, je prends l'autre côté de mon linge et je m'en viens frotter pour poler ma surface. OK? Comme il faut. Puis vous allez voir, ça se met à glisser rapidement. OK? Et c'est déjà terminé. Les petites places, vous pouvez toucher, si vous sentez que ça... Ah! Vous dites, ah, ici, j'ai peut-être pas assez fait frotter. Fait que c'est pas plus compliqué que ça. Il y en a qui pensent qu'il faut frotter à plus finir, mais non, c'est pas nécessaire. Là, c'est sûr que ça va être un petit peu humide, mais ça va venir qu'à sécher, puis ça va venir dur. Fait qu'il n'y a pas de problème. Fait que dans le fond, le but, c'est de faire toutes les sections de mon banc, OK? Partout.
afin de bien protéger mon bain comme il faut. Puis là, au fur et à mesure que je fais une petite section à la fois, ben je peux venir frotter. Ben. Vous allez voir, ça se met à glisser. C'est ça qui est le fun. Ça se met vraiment à glisser quand la cire, elle est vraiment bien, bien appliquée. Fait que, on va faire tout le meuble comme ça. C'est vraiment pas compliqué. Et puis, comme moi, j'ai un gros pinceau, fait que ça va vite. Je peux faire plus de surface à la fois parce que j'ai pas besoin de faire des petites places. Et puis, une fois que c'est fini, ça, ben, on laisse sécher. Mais ça prend pas de temps. Je vous le dis, 24 heures, puis c'est déjà numéro 1. Et ce n'est pas le cas. Donc, je vous replace un peu. Et puis, ça n'en prend pas tant que ça. Fait que pour ceux qui vident un pot complet, pensez à ça parce que, sérieux, c'est pas la quantité vraiment, c'est la qualité. Il s'agit de vraiment bien frotter comme il faut sur la surface. Puis, vous allez avoir un résultat fabuleux. Là, c'est sûr, ça va être collant. Mais dans 24-48 heures, ça va être durci. Puis, ça va être numéro 1. Fait qu'on passe au vernis maintenant. On est maintenant rendu à vernir une surface. Comme je vous disais tout à l'heure, vernir un meuble, c'est chose facile quand on sait comment puis quand ça fait longtemps qu'on en fait. Mais pour les gens qui n'ont jamais vraiment verni des meubles, ça peut être une cause de problématique qui peut souvent faire que les gens pensent que les produits sont pas bons, mais c'est pas le produit, c'est la façon dont on l'applique. En un premier temps, ça prend des bons pinceaux. Plus les pinceaux vont être larges, plus les pinceaux vont être portés à faire de la mousse dans votre vernis. Ça vous est peut-être déjà arrivé parce que c'est chose assez commune. Okay? Donc, moi, je vous suggère fortement de prendre un pinceau qui est très biseauté vers l'intérieur, qui veut dire qu'il est plus épais peut-être ici, mais plus mince vers la pointe des soies. Ou encore des pinceaux qui sont très, très minces comme ceux-là. Ça peut être vraiment bien pour faire surtout des petits projets, des petits meubles, des petites choses comme ça. Sinon, un bon pinceau, ça peut être un pinceau comme ça. Il a l'air large, mais il n'est pas si large que ça. OK? Il est un peu moins large qu'un pinceau normal pour la peinture normale. OK? Fait qu'un ou l'autre, c'est bon. Moi, ce que j'aime, c'est que le fait que, justement, celui-ci, il s'en va vers l'intérieur... vers la pointe des soies, ça permet justement d'avoir un bon angle pour verner. Moi, c'est vraiment mon pinceau que j'utilise le plus pour faire du vernis. Fait quand je lave, il reste un petit peu plus dur, évidemment, mais ça, c'est pas grave une fois nettoyé. Le vernis. Bon, tout dépendant de la finition que vous aimez. Est-ce que vous aimez un vernis mat, comme un effet de cire, ou vous aimez un vernis satiné ou lustré? Bon, c'est sûr qu'on n'utilisera pas un vernis lustré.
sur des surfaces qui sont un petit peu marquées. Tu sais, c'est un peu comme la peinture qu'on met sur nos murs. Si la peinture, on ne veut pas qu'il y ait trop de marques visibles à l'œil nu, on va mettre une peinture coquille d'œuf, tu sais, mat, non lustré. Fait que ça aussi, c'est une autre affaire. Moi, ce que j'aime faire avec les vernis lustrés, c'est par exemple des dessus de meubles. La façade est toute mat, puis le dessus, là, lustré comme un miroir. Ça, j'adore faire ça. Donc, vous pouvez utiliser des vernis lustrés pour faire ça. Tout dépendant de ce que vous voulez faire, il y a plein de vernis qui existent sur le marché, dont celui de Colorantique, qui est un vernis mat. Pourquoi mat? Parce qu'on veut imiter la cire, en fait. Quand on décide d'utiliser un vernis, c'est par exemple sur des choses qu'on utilise vraiment beaucoup. Tu sais, un armoire de salle de bain, une table de salle à dîner, par exemple, des armoires de cuisine. Pourquoi? Parce qu'on sait qu'on va les nettoyer souvent. Tu sais, échapper une sauce à spaghetti sur une armoire de cuisine qui a été cirée, c'est pas le fun. Tu sais, fait qu'idéalement, si vous voulez mettre un vernis, ça serait peut-être plus durable, plus facile à nettoyer. Fait que, OK? Fait que je pense que c'est assez clair. Donc, le vernis mat, qui est le top coat, qu'on appelle le vernis de Colorantique. Mon pot, il est neuf ici. Il est super. Donc, c'est celui-là. Et moi, j'ai aussi un vernis lustré qui est dans la marque Natacha Créative que vous pouvez trouver dans beaucoup de magasins. Si vous voulez chercher, vous pouvez toujours aller sur mon blog à natachacreative.com et cliquer sur le lien de mes produits, vous allez le trouver. Moi, mon vernis, par contre, il est pas mat, il est lustré, mon vernis de finition. J'en ai un aussi qui est mat, mais il est très, très, très mat. Il est même encore plus mat que celui de Colorantique. Fait que ça dépend toujours ce que vous voulez. Bon, l'autre affaire. Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire quand on a un vernis? Il ne faut pas brasser un vernis, OK? Jamais! Parce que ce qui va arriver, c'est que vous allez avoir des ballons là-dedans. C'est pas ça qu'on veut, tu sais. Fait que l'idéal, c'est de prendre son vernis et de le brasser, mais doucement, OK? Avec un bâton. Comme par exemple, j'en ai plusieurs bâtons comme ça. Donc, un vernis comme ça qu'on va juste doucement, OK? On va brasser doucement, 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 OK? De façon à bien mêler les produits entre eux autres. Parce que ça se peut des fois qu'il y ait des résidus dans le fond. Ça dépend, ça fait combien de temps qu'il est en tablette. Ça peut être parce que vous ne l'avez pas utilisé tout de suite quand vous l'avez acheté. Pour plein de raisons, OK? Donc, il faut juste bien le brasser comme ça. Mais jamais le secouer pour faire des bulles, OK? Ou encore de la mousse. Fait que ça, c'est bien important, OK? Fait que ça, c'est la première chose à savoir. Une fois qu'on a brassé, moi, je vais y aller avec le vernis mat de Colorantique. Je vais m'essuyer le doigt comme il faut. Je vais fermer. Ça, c'est mon vernis à moi. On va prendre le vernis Colorantique, puis lui aussi, on va le brasser. Parce que ça faisait un petit moment, moi, je l'avais en tablette. Fait que je vais vous montrer ce que je voulais dire quand ça fait longtemps. Je ne sais pas si vous savez ça, mais je vais vous le dire tout de suite. Tous les vernis que vous allez retrouver, normalement, tous les vernis de base sont lustrés. On rajoute des produits à l'intérieur pour qu'ils deviennent satinés ou mat, OK? Fait que c'est pour ça que ça se peut que vous ayez des résidus comme ça dedans. C'est ça que je disais, OK? C'est normal. C'est pour ça qu'il ne faut pas brasser vigoureusement, mais bien brasser doucement notre vernis, OK? Fait que là, moi, c'est ce que je fais. Je m'en viens vernir, brasser comme il faut. Je vais vous mettre vers mes mains pour que vous puissiez vraiment voir ce que je fais, OK? Donc, je pense que là, ça va être assez clair pour vous autres, OK? Donc, moi, je m'en viens bien brasser ça. De façon à ce que tout le produit soit vraiment bien mêlé entre eux autres. L'affaire à faire, c'est que si jamais vous avez brassé ou quelqu'un a brassé le vernis avant, bien, laissez-le déposer sur votre table un 24 heures avant de l'utiliser, mettons, pour pas qu'il y ait de mousse dedans, OK? Fait que ça, comme ça, vous allez vous assurer qu'il n'y aura pas de mousse. Fait que quand on dit brasser, là, c'est brasser comme ça. Puis, voyez-vous, ça ne fait pas de bulles. On n'a pas de bulles, là. OK? Fait que moi, je m'en viens vraiment bien brasser ça. Moi, le mien, il y avait fait un petit bout que je l'avais. Fait que c'est pour ça. Mais ça tombe bien parce que je voulais vous montrer ce que ça fait à l'intérieur, ce que je disais, les résidus. OK? Puis c'est pas parce qu'il n'est pas bon, là. Il est bon pareil. C'est juste que ça faisait un petit moment que je l'avais en tablette. Fait qu'il faut vraiment bien brasser sans le faire mousser. Bon, là, je devrais être pas pire. Ça s'en vient. Là, ça, c'est ce qui est poigné sur mon bâton. Hein? Bon, OK.
Et là, comment on fait pour vernir une pièce, OK? Moi, j'en avais une pièce ici que j'avais déjà commencé. Un coulage sur bois que j'ai fait avec la peinture coloratique en passant. Oui, ça se fait. C'est super beau en passant. Et là, comment je procède? C'est que là, c'est sûr, c'est une petite surface. Si vous étiez sur une très, très, très grande surface, là, ça serait une autre affaire. Il faudrait faire davantage attention. Fait que je me mets comme ça pour que vous puissiez bien voir qu'est-ce que je fais, OK? Donc, c'est sûr que là, mon pot, moi, il est petit ici, OK? Mais si j'avais un très, très... Comme là, j'ai un gros pinceau quand même, là, il fait dans mon contenant. Mais si c'était... ça marchait pas. Il faudrait que je mette mon vernis dans un autre contenant pour m'assurer que j'ai pas à abîmer mon pinceau, OK? Fait que... Mais ici, je corrige. Ça rentre bien correctement. OK. Donc... J'ai encore un petit peu de dépôt là, dans mon bâton de bois. Il n'y a presque plus. Parce que sinon, je vais avoir à ma surface des effets lustrés et des effets mat. Fait que je ne veux pas ça. Je veux vraiment que mon vernis soit mat. Bon, là, c'est bon ça. Ça a bien de l'allure. OK. Fait, je vais venir essuyer mon bâton. OK. Puis je m'en ici mon contour de ma bouteille. Bon! Et voilà, on commence. Comment on fait pour vernir une surface? Et là, ça, c'est vraiment... Là, l'important, c'est de ne pas repasser par-dessus, même si vous savez que vous avez fait un petit peu trop de vernis ou que vous n'avez pas passé à des places en particulier. Fait que si, par exemple, j'applique mon vernis, OK, là, j'en ai pas sur mon pinceau, et que j'ai manqué une place, puis que j'ai pas été assez vite, laissez-le comme ça. OK? Bien important. Parce que ce qui va arriver, c'est que si vous repassez et repassez... Ça, je m'excuse, je vais essayer de me placer autrement pour que... Ah oui, là, ça va être mieux comme ça. Parfait. OK. Donc, si vous repassez aux endroits que vous avez manqué, c'est là la gaffe. C'est ça qu'il ne faut pas faire. Et c'est beaucoup ce que les gens font. Fait que je m'en viens prendre une bonne quantité de vernis. Je vais vous le mettre de plus près pour que vous puissiez voir. J'en prends une bonne quantité dans mon pinceau, OK, comme il faut. Je l'imbibe, là, et je m'en viens juste enlever l'excès comme ça. Mais j'en ai beaucoup, beaucoup, beaucoup sur mon pinceau. Et là, je pars à peu près un pouce avant, OK? Moi, je fais toujours ça. Je pars un pouce. Et là, je m'en viens tout de suite comme ça, faire mon rebord, OK? Comme ça, de ce bord-là. Et là, j'en ai là, ici, là, mais c'est pas grave, je m'en viens à prendre dans mon pot. Puis, je m'en viens faire ma première couche. Fait que je pars de mon bord et je m'en viens faire toute ma ligne comme ça. Là, je peux venir ici. Je vais venir repasser une autre fois. Et après, je ne touche plus. Je le laisse demain. Je m'en viens faire l'autre côté. OK? J'arrive là, j'y touche plus. Je fais la même chose, je m'en viens ici. Puis quand je commence à sentir que, oh, un petit peu moins de vernis dedans, je m'en vais chercher d'autres. Et là, si je vois que j'ai manqué un espace, je touche pas. Là, je sais pas parce que je le vois pas bien. Mais en temps normal, j'y retournerai pas. OK? Parce qu'il a déjà commencé à sécher mon vernis, là. Et c'est ça que souvent, on fait comme gaffe. On retouche plus. Là, je m'en viens juste mettre ici pour m'assurer que j'ai fait mes deux côtés comme il faut. Faites petite section à la fois, pas trop. OK? Parce que ça sèche vite, là. Comme ça. Là, je m'en viens ici. OK? J'arrête. Je retouche plus. Je m'en viens faire l'autre côté ici, jusqu'à la fin. Et là, j'ai fini. J'y touche plus. La seule chose qui est importante à savoir, c'est qu'il n'y ait pas de coulisses. Donc, je peux faire le tour comme ça avec mon pinceau. Pour m'assurer que j'ai pas de coulisses nulle part, OK? Comme ça. Oui, un vernis qui n'est pas séché peut avoir un effet lustré. Donc, c'est normal parce que c'est brillant à cause que c'est liquide. Mais une fois séché, ça va être mat. Donc, moi, je laisse sécher ça, je touche plus. Oui, ça se peut que vous voyez à la surface des petites mini ballons. Ça va sécher ça aussi, puis ça va disparaître dès que ça va être sèche. Fait qu'on y touche pas. Puis là, la vacuum, c'est qu'un vernis, c'est pas une seule couche. Combien d'années que j'ai enseigné et que j'ai expliqué ça aux gens,
dès qu'on a terminé notre première couche, on doit laisser sécher complètement, OK? Jusqu'à temps que ça soit complètement séché. Oups, j'étais un peu croche. Je vais vous placer ça un peu mieux. Bon. Et là, par la suite, ce qui est important, c'est de faire 2 à 3 couches pour une finition, OK? C'est ce qui fait que votre finition va être parfaite, OK? C'est pas juste une seule couche. Parce qu'on s'entend une première couche, comme je disais tantôt, vous allez avoir oublié des endroits. Fait que si vous mettez juste une couche, là, regardez, non, il me semble, là, c'est plus moule, là, c'est juste, ça marche pas, là, on voit que ça n'a pas été verni. Fait que c'est pour ça qu'il faut 2 à 3 couches. Ça se peut, tout dépendant de la pièce de bois que vous avez, ça se peut qu'après la première couche, soyez obligé peut-être de poncer un petit peu avec un petit papier sablé très fin, juste pour adoucir la surface légèrement. Vous essuyez avec un petit linge pour enlever la poussière de bois ou la poussière de vernis puis de peinture, et vous allez pouvoir revernir ensuite votre deuxième couche et la troisième, ainsi de suite, mais toujours laisser sécher environ 1 heure à 1 heure et demie, tout dépendant de l'endroit où vous êtes, ça peut faire une différence. Mais assurez-vous qu'au regard comme ça, que même au toucher, ça soit complètement séché. Si vous n'êtes pas sûr, attendez 1 heure de plus. Essayez pas d'aller toucher avec vos doigts, parce que là, vous allez avoir des marques de doigts sur votre vernis. C'est pas ça que vous voulez non plus. Fait que vous laissez sécher. Vous êtes mieux de laisser le sécher plus longtemps que pas assez pour vous assurer d'avoir une belle job. OK? Fait que le truc, c'est de ne jamais repasser sur un vernis, même si vous n'êtes pas sûr de l'avoir bien fait. OK? C'est sûr que la première couche n'a jamais bien fait. La deuxième sera mieux, puis la troisième s'assurera que tout a été bien fait. Fait qu'on est correct avec ça. Donc, moi, je termine avec ça en vous disant, bien, écoutez, j'espère que vous allez entreprendre plein de beaux projets. Si vous cherchez de la peinture à base de craie, vous pouvez toujours aller sur colorantique.com. Ou si vous avez besoin de plus d'informations sur différentes chroniques créatives ou de transformation de meubles, vous pouvez toujours me suivre sur mon blog à natachacreative.com. Merci d'avoir été là. J'espère vous avoir aidé au moins pour savoir un peu comment faire votre finition de vos meubles. Fait qu'on se voit pour une prochaine fois.